Donc, le soir, vous allez voir. Donc, le Seigneur va vous distribuer les dons. Dis amen. Dis amen. Il va vous distribuer les dons. Son pouvoir. Il va donner sa puissance. Vous verrez encore qu'il dit pour le royaume de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. Il a la côté de Dieu. Amen. Qui veut parler en langue? Ah, regarde là, il va plus bon. Alors, t'as demain, la journée de demain. Déjà. Ça serait une journée terrible. Déjà, il est également. On dit amen. Amen. Il est pour la puissance de Dieu. Il a quand même un Alléluia. Ça va aussi me permettre de vous enseigner certaines choses. L'esprit est là devant. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Je crois qu'on a commencé à mettre en pratique 3h30 du matin. Donc, ça avait été dit. C'est pas ça? Amen. Tu dis amen, c'est vrai. Avec moi, amen. Inquiète, ouais. Là, tu es un dormeur. Bon, moi, vraiment. Qui s'est levé à 3h30? Ah, t'as écrit, dis quoi? Vous avez pas menti à la présence de Dieu. Et Moubier, t'as écrit, dis. Ah, je vois. Il y a 3-4 mains en l'air. Si, moi, j'ai gagné. Mais si tu m'as foutu en bas de dormir, comment t'as dit? Bon, je vais venir, bon, elle est venue, Moubier. Même foutu à 21h. Je disais aux gens, tout se passe à partir de 3h30. Tout se résume là. Tu veux une bonne journée, tout se passe là. Encore hier, ni brûlé. Rien d'être tombé. Ah, tu es là dans le bureau du monsieur, il est chaud, il est. Moi, j'ai trop de choses à vous enseigner. Rien n'arrive sans que Dieu l'ait révélé. Quelque chose de difficile. Dieu doit te révéler ça. Et la dernière fois, j'essaie de brosser un peu. Tu dois consacrer le mois. Chaque mois. Quels sont les esprits que vous avez commandé lundi, mardi jusqu'à dimanche? C'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc quand il est lundi, il y a un esprit. Cet esprit, il faut le dompter, il faut le maîtriser. Il faut gérer lundi. S'il est mardi, l'esprit Mars, quel est le démon? Il faut le maîtriser. C'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Amen. Je vais vous enseigner ça. C'est des choses que vous avez besoin de connaître. Pour posséder le monde. Vous possédez ce monde. C'est qu'on est fort. C'est qu'on a une force spirituelle. Tant que tu n'as pas la force spirituelle, tu ne peux pas dominer ce monde. C'est ce que Jésus dit. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Moi, peu importe le problème. Ça va être un problème difficile. De viens. En quelques minutes, le gars change de position. Amen. Je maîtrise beaucoup de choses, frère. Il y a des choses que je vais te communiquer. Quand on a Dieu, ça se sent.
C'est chez vous de la vérité. Quand un homme a Dieu dans sa vie, c'est que tu as Dieu. Parce que tout ce que tu touches prospère. Tu ne vas pas quelque part pour échouer. Moi, je ne vis jamais dans un endroit. Amen. La Bible dit, Jésus dit, je vais te donner la clé du royaume. Donc il doit être la clé. Je vous ai donné la clé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as la capacité, le pouvoir d'ouvrir les portes. Toutes sortes de portes. Amen. Toutes sortes de portes. Vous jouez le pouvoir de Jésus. C'est les mystiques là qui grainent. Qui veut la force du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est terrible? Hein? La terre risque de bouger demain. Amen. La cour risque de bouger demain. Amen. Parce qu'il te faut ça. Il te faut la puissance de Dieu. Il te faut la puissance. Que Dieu te donne l'onction. 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 Que Dieu te Qui a commencé à prier pour sortir en mettant l'huile de sa bouche, la main qui fait ça? Alors, qui est vous, quoi? On doit vous aimer, tu vois, on doit vous aimer. Autant les choses jouer ça. Voyez, vous avez dit, allez-moi. Vous jouez ça. Allez, qui? Il dit, qui l'Ecclésiaste? Que l'huile ne m'envoie sur ta tête. Et qui vient l'Ecclésiaste? Voilà. Qui en a pour un écran, vous aimez? Je vous disais ici, le pasteur a sa manière d'enseigner. Amen. Moi, je suis convaincu, je suis appelé de Dieu. Amen. Je sais que Dieu m'a appelé. C'est la chose la plus sûre. Dieu m'a appelé. Ma consécration n'a pas été faite à un homme. C'est pas le cas de nous. J'ai provoqué Aziz 45 jours quand il ne parle pas. Je suis allé à la télé la dernière fois. Il est responsable de la télé. Il dit, vous oubliez une chose. Faites un bon débat entre moi et Aziz 45. Tout le monde va suivre encore du voisin. Amen. Notre époque, la frère, nous devons épouser la seigneurie de Jésus. Amen. Il faudrait que Jésus-Christ soit Seigneur. J'ai dit aux gens, si le jour j'ai un amateur mystique qui va passer à la télévision, pour dire la voix de Dieu dans cette forme, le lendemain il passe à la télévision pour dire je te combats devant la RTI. Parce que Jésus-Christ, on s'amuse plus à lui. On doit plus s'amuser le nom de Jésus. Vous ne savez pas ce qui est en vous. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérant de la gloire. Ce qui est en nous, c'est une force. Dieu nous a donné son pouvoir. C'est pas pour jouer avec. Vous recevez une puissance. Luc 10, verset 19. À mon nom, vous allez marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Moi, je regarde les gens, je dis, c'est pas une question de crasso, mais c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. Moi, si un pasteur ou un homme de Dieu, un ministère, ça, ça m'engage chez moi. Si le miracle ne t'accompagne pas, moi je ne crois pas à ton ministère. Je ne crois pas en toi.
Si ministre, en combattant ton ministère, moi je ne veux pas sortir de l'Éthiopie. Parce que Jésus même dit, voici les miracles qui ont accompagné ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les morts malades, les malades seront guéris. Quand vous regardez les disciples, au temps de Jésus, tous les divins ont manifesté la puissance de Dieu. C'était un enseignement très fort que Jésus-Christ a donné. Et il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit, c'était la continuité. Les disciples ont manifesté la puissance de Dieu. Mais quand tu es pasteur de Dieu, dans ton église, il n'y a pas de miracle. Dieu ne peut pas avoir. Il faut me chasser. Je ne peux pas avoir. C'est quand le nom de Jésus est invoqué, il peut avoir un miracle. Il n'y a que des noms. C'est pas petit, non? Quelqu'un a dit amen. Le nom de Jésus, c'est pas petit, non? On dit quand le nom de Jésus est prononcé, tout genou doit fléchir. Il a fait quoi? Quoi, ça, Jésus? Lui, du démon. Il a fait quoi? Quoi, ça, Gopi? Un pasteur, il parle de démon. J'ai mis la chiffre. Il est pasteur, il parle de démon. Quoi, il est démon? Il est démon. Moi, démon, quand même. Ah, mais, mon Dieu, vous avez une vie. C'est que le démon ne reconnaît pas son autorité. C'est connu, oui. Comme oui. C'est ça qu'il faut chercher la puissance de Dieu. Oui, Jésus-Christ, oui, avant de commencer le ministère, il allait d'abord dans le désert. La Bible dit, quand Jésus est sorti de son jeûne, revêtu de la puissance de Dieu, il a commencé à prêcher. Il a attendu d'abord l'onction. Il a l'onction avant de prêcher la parole. Moi, tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Tout ce que tu as dit à côté, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Rien. Parce que tu ne demandes pas aux yeux des gens que ce que tu parles est vrai. Jésus est mort ressuscité. Démon, à ce monsieur là, que tu peux, au nom de Jésus, faire des rêves. Parce que quelqu'un était fou, il a commencé à les guérir. Viens. Ton chant est là, ton chant. Qui t'a tout ce Maloya. C'est qu'il est guéri, non? Ouais, non? Il se rappelle du chant. On acclame Jésus. Voyez ce que Jésus peut faire pour quelqu'un. Il était fou, très agité. On acclame le Seigneur, merci. Tu reçois les dons, que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Il est venu fou. On a enchaîné tout ça. Et Jésus, aujourd'hui, veut le guérir. Jésus te dit, c'est fini ça. Et bien, on est bien. Lui, il a Jésus, il est venu, il va dire non. Et là, moi, je lui ai dit, vous prêchez quel évangile. Hein, et puis, on dit, quand vous venez, on dit, non, vous courez après le miracle. Mais tu as couru après qui? Jésus ne fait pas miracle, moi, je vous mets. Mais c'est lui, aujourd'hui, non. Si Jésus, je suis fils de musulmans. Si Jésus ne faisait pas miracle, je lui ai dit, il est venu. Il est venu, non, non, non. Est-ce qu'il n'a pas vu le ciel? Il a nommé. Il n'a pas vu le ciel? Il a nommé. J'ai dit aux gens, je suis malade, Jésus n'a qu'à guérir. C'est quand Jésus m'a guéri, j'ai pris à sa puissance. C'est tout? Mais bon. Vous suivez les miracles. Ah, il veut des miracles. Si on ne suit pas un miracle, moi je suis. Vous savez comment Jésus est né? Il n'y a pas eu rapport sexuel. Jésus lui est miracle. Est-ce qu'il dit aux gens, vous n'avez pas l'onction, vous attaquez les gens. Quand vous priez chez les gens, qu'est-ce que vous recherchez? Pas un miracle? Dans vos églises, quand vous dites aux gens, écoutez un miracle. Quand toi tu pries, pasteur, quand tu pries chez les gens, tu cherches quoi? C'est un miracle, tu cherches? Amen. Cherchez l'onction de Dieu. Dis à quelqu'un, cherche la puissance de Dieu. Amen. Vous devez chercher la puissance de Dieu. Dieu t'a guéri. Amen. On acclame le Seigneur pour le miracle. Mais son papa. Viens. Tu as vu ton fils, non? Il est souriant, tu vois. Qu'est-ce que tu constates? Adro. Il est content. Il est beaucoup content. Pourquoi? Croisé. Amen. Oui, il est maintenant conscient, très conscient. On a grand Jésus-Christ dans la vie. Qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est vrai, hein? Non, je vois bien que notre petit est guéri.
Tu crois qu'il venait de guérir? Moi-même, je pense bien que mon enfant allait guérir. Alléluia. On acclame Jésus. Ouais, alors. Comment il est envoyé ici? Non, il était comme un petit enfant. Non. Il n'était pas l'homme. Il n'était pas l'homme. Il ne me reconnaît pas, moi qui est son père, il ne me reconnaît pas. Il ne me parle n'importe quoi. Mais vraiment, quand je vais voir aujourd'hui. Lui, il est comment c'est qui pour toi? Il est qui? Comment il s'appelle? Amen! Pour le saluer. Alléluia! 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 Non, tu vois, la galère, oh, yo, 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 yo.
Vous savez, j'ai descendu la voiture. Même au moment où vous êtes venu, je vais rentrer dans la maison. Oh, il est très bien. J'ai l'habitude quand je viens, je rentre. Et quand j'ai mis cette fois-ci, quand je suis descendu, oui, il y a les pleurs, je suis allé vers lui. Moi, tu viens, mais. Voilà. J'étais là. Voilà. Et Dieu m'avait convaincu. Il avait l'air d'aller là-bas. Il avait guéri. Il avait l'air d'aller là-bas. La gloire. Pas voir, d'accord, vous les servez. Il est moi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ma belle Mano, ma belle Mano, Yazide, ma belle Mano, Dieu le Saga, Saga Isabelle, Dieu le Saga.
Filé. Tu es d'accord avec moi?
qui est d'accord avec moi? Alléluia. Tu vas lever la main. Tu lui dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Besoin tellement de toi. Besoin tellement de ta présence. Je veux que tu me visites. Je veux que tu me visites. Prions.